Dimanche 3 décembre, le défilé de la Sainte Barbe des mineurs a eu lieu à Algrange. Pour cette occasion, se sont rendus sur place M. Patrick Perron, maire d'Algrange, Mme Alexandra Rupstock-Pina, maire de Nilvange et conseillère départementale, M. Mathieu Weiss, maire de Fontoy et conseiller départemental, et M. Laurent Jacobelli, député de la Moselle. Le cortège a défilé dans Algrange en faisant une halte devant l'EHPAD du Vitten pour une aubade. Pris la route vers le monument aux morts, la cérémonie a débuté par un chant interprété par la chorale Le Mas du Mineur, avant le discours par le président de l'Amicale des anciens mineurs. Au nom de l'Amicale des anciens mineurs et veuve aux 4 mines d'Algrange, je dépose cette gerbe en mémoire de tous les disparus, décédés d'accidents ou de maladies. Au nom de la municipalité, je dépose cette gerbe en mémoire et en honneur de tous les mineurs décédés et vivants encore aujourd'hui. Pour leur travail, pour notre industrie et des belles valeurs qu'ils ont toujours propagées, la valeur du travail et la solidarité à leur mémoire. Ce sont les 30 ans du volet dédié de l'Amicale des anciens mineurs et veuves aux 4 mines que nous fêtons. Pour mémoire, 1992 fut l'année de la création de l'Amicale. Et le 3 décembre 1993 a eu lieu le premier défilé. L'unification avec la jeunesse de la commission culturelle a permis de fêter une Sainte Barbe unitaire et conviviale. Nous avons cette année à nouveau une grande pensée à tous nos camarades victimes de la mine et 2023 n'a épargné personne puisque nous ont quitté M. Christian Gradzik, 70 ans, M. Joël Risterer, 65 ans, Madame Danielle Petitjean, 74 ans, et le 8 novembre, malheureusement, notre président d'honneur et un des derniers fondateurs de l'Amicale, Monsieur Émilien Martin, 93 ans. Je n'oublie pas non plus Monsieur Nissen, qui était écrivain
et qui étaient aussi mineurs. Pour ces disparus, je vais vous demander de faire une minute de silence. L'Amicale remercie tout le personnel, retraité et âgé, qui font encore l'effort de participer au défilé, et je tiens particulièrement à remercier les jeunes gens qui ont rejoint l'Amicale, comme Jessica, Mike, Ludovic, Arnaud et Mika. Et par cette occasion, je lance un appel à la jeunesse algrangeoise et aux communes voisines de venir rejoindre les anciens d'Amicale pour que perdure cette association et cette tradition. Je veux dire par là la fête de Sainte-Barbe. Et donc je compte sur ces jeunes afin qu'ils puissent assumer la relève des vieux adhérents. Je précise qu'avec l'appui de la municipalité, du conseil municipal et régional et de tous nos fidèles adhérents, l'Amicale pourra exister encore de belles années. La cérémonie fut clôturée par un poème suivi du chant du mineur joué par Musicalis. Puis le cortège s'est dirigé vers l'église pour la messe. Je remercie énormément l'Amicale des mineurs d'Algrange de nous inviter, mais il y a une grande amitié. Voilà. Et parmi nos chanteurs, nous ne sommes pas beaucoup là, hein. Il y a des anciens mineurs, donc c'est pour ça qu'on tient à cette fête. Donc il y a un poème qu'Yves m'a donné à la Sainte-Barbe. Lorsque la mine gronde, la crainte nous saisit. Ô douce Sainte-Barbe, nous te vénérons afin que tu concèdes secours et charité. Patronne des enfants, des mineurs, tes enfants te supplient. Tu entendais ces plaintes et tu les exaucais quand venait le moment de préserver les vies. Et si parfois le ciel prenait des corps meurtris, vers ton immense cœur, l'envoi s'élevait. Tu fus la convoitise de nombreux seigneurs, mais tu n'as pas voulu offrir ta beauté. Tu as trouvé Jésus, la Sainte Trinité, dans l'absolu des larmes et des douleurs. Nul n'obtiendra jamais que tu renies ta foi. Rien n'a pu te conduire à te faire abjurer. Ni même les tortures que l'on infligea, les mineurs te venaient, leurs cœurs sont à toi. Et venu te rendre grâce devant cette stèle qui nous rappelle qu'ici existaient des milliers des mineurs. Là où se trouve le feu, nous guette le danger. Quand cette barbe est là, s'échappe la menace. Merci.